Herzlich willkommen zu dieser table ronde, zu dieser Diskussionsrunde, die das Livres sur la place, Literature Européenne getauft hat und die das Goethe-Institut das große Vergnügen hat, in jedem Jahr hier auszurichten, und ich in meiner Person das Vergnügen habe, diese Diskussionsrunde zu animieren oder zumindest zu versuchen zu animieren. Wenn ich jetzt auf Deutsch weiterrede, werden die Gesichter immer länger und immer fragender. Donc évidemment, je vais changer en français. Ce moment de soulagement que vous attendiez depuis un moment pour vous dire bienvenue à cette table ronde intitulée Littérature européenne que le Goethe-Institut co-organise avec le beau festival Le Livre sur la place et que j'ai le plaisir d'animer depuis 2 ans. Si jamais vous avez remarqué des lacunes, je le dis à chaque fois, le Goethe-Institut a des cours excellents, il y a des remèdes à certaines compréhensions. Mais il s'agit plutôt d'accueillir, et je vous demande, après je vais faire une présentation comme il faut, les 2 auteurs, et c'est un grand plaisir parce que vous me voyez un peu petit, entre 2 poids lourds, de la littérature française et germanophone. Donc mes 2 écrivains qui ne se connaissent pas et qui une rencontre pour la première fois, mais où je pense qu'il y a énormément de points d'accroche. Donc on verra si on va réussir à réunir et à faire, en tout cas à réussir à établir une discussion entre ces points d'accroche entre les 2 auteurs. À ma gauche, Olivier Rolin, et je vous demande de l'applaudir très chaleureusement. Und lieber Christoph Ransmayr, das ist eine große Freude, dass Sie hier sind, denn Ihre Bücher lese ich schon seit langer Zeit. Je vous lis depuis longtemps vos livres, et donc un grand plaisir de vous accueillir ici. Ich freue mich sehr, dass Sie hier in Nancy sind, und là aussi c'est le moment d'applaudir la venue de Christoph Ransmayr. Évidemment, derrière, on n'a pas juste réuni les 2 auteurs, il y a une pensée derrière, vous vous doutez bien. Donc évidemment, c'est... En allemand, die großen Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Je ne sais pas si c'est un grand événement, mais un événement qui est en tout cas très important pour l'Allemagne et la France du monde littéraire, c'est-à-dire la foire de livres de Francfort, où la France sera le pays invité d'honneur cette année. Énormément de manifestations qui précèdent déjà cet événement, et pendant la foire de livres, ça sera, je pense, l'effervescence de l'amitié franco-allemande, en tout cas dans le domaine littéraire. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à Francfort, n'hésitez pas, je pense que ça vaut le coup. Donc évidemment, si on a un auteur éminent français et un auteur éminent germanophone à mes côtés, c'est évidemment en vue de ce grand événement, et à la fin de la rencontre, on va essayer en tout cas de parler un peu des influences littéraires germanophone et français sur les 2 auteurs. On verra ce que ça donne, peut-être c'est un échec total, mais vous allez m'assister pendant ce moment-là. Je commence une petite présentation obligatoire des 2 auteurs. Christoph Ransmayr, qui est né en 1954 à Wels, en Autriche. Il faut le dire, c'est aujourd'hui un des écrivains majeurs de la scène littéraire germanophone. Je vous le disais, un poids lourd. On pense, c'est ce qu'on lit souvent, peut-être ça serait une question tout à l'heure, c'est un écrivain qui renouvelle dès ses premiers romans avec une certaine idée de romantisme allemand et qui essaie, entre autres, d'explorer les rapports de l'homme et de la nature, mais bien au-delà, évidemment, vous allez voir avec son dernier roman, Cox, ou La Course du temps, qui vient de paraître chez Albin Michel. Je vous urge d'aller acheter ce livre. Il y a une séance de dédicace derrière, mais évidemment, il y a une longue liste des œuvres que je ne vais pas citer tous. En français, Dernier des mondes, qui est paru en 88, Syndrome de Kitahara en 97, et un livre que je vous conseille aussi très fortement, c'est Atlas eines ängstlichen Mannes, Atlas d'un homme inquiet, qui est paru en 2015, et qui est un chef-d'œuvre absolu, et je vous le recommande très fortement à lire. Et je vous le disais, Christoph Ransmayr, s'il est venu ici dans la métropole, dans la perle du Grand Est, qui est Nancy, ce n'est pas adonnant, c'est évidemment aussi pour la sortie de son livre Cox, ou La course de temps, ou un livre, et on va l'aborder tout à l'heure, une grande réflexion sur le temps, et comment on construit le temps, et comment on compte et calcule le temps, évidemment, ce qui nous amène à toute cette question fastidieuse de la mortalité de chacun à la fin. Mais j'espère qu'on va sortir d'ici à peu près heureux après cette rencontre. Cher Olivier Rolin, vous passez votre enfance au Sénégal, puis vous faites vos études à Paris, vous êtes diplômé, vous êtes un philosophe, vous êtes un diplômé de philosophie. Quand on lit votre biographie, j'ai l'impression que vous avez déjà, à mon âge, mené 3 vies, et je suis toujours un peu jaloux de cette vie que vous avez pu mener pendant ces temps très mouvementés. Vous étiez pendant voilà, une trentaine d'années, pas vraiment tout de suite lié à la littérature. Vous me contredisez, vous avez le droit de gueuler tout de suite. J'attends l'erreur, mais pour l'instant, ça va. Après une longue période de militantisme à gauche, au sein de la gauche prolétarienne maoïste, dont vous étiez, vous avez dirigé à la fin des années 70 et à la fin des années 60 et au début des années 70, la branche militante. Au bout d'un moment, vous vous mettez à la littérature, peut-être parce que vous découvrez... vous l'avez dit dans un interview, l'ironie qui manque un peu à ces mouvements politiques et qui est présent toujours dans la littérature, on en parlera tout à l'heure. Là aussi, comme Christoph Ransmayr, vous êtes traduit dans une trentaine de langues, si j'ai bien compris. Peut-être pas 30, mais je ne sais pas. Disons une vingtaine, allez. Bon. Attendons-nous sur une vingtaine. Vos histoires, comme celle de Christoph Ransmayr, parcourent le monde. Je rappelle juste quelques titres que probablement la plupart d'entre vous connaissent déjà. Le continent, Port-Soudan, et évidemment, vous avez reçu énormément de prix pour votre œuvre. Tigre, papier et mon préféré, Le Météorologue. Et je pense comme beaucoup de... J'ai l'impression que c'est un peu le livre, un livre que, évidemment, ça suscite énormément... de sympathie pour vous. Je suis assez content parce que pendant longtemps, le livre préféré, enfin le livre que la plupart des gens avaient lu et aimaient, c'était Port-Soudan. Et moi, je ne l'aime plus qu'à moitié, ce livre, Port-Soudan. Donc je suis content que Le Météorologue, que je continue à aimer, ait remplacé dans la faveur publique Port-Soudan. Bon, ça y est. La rencontre est faite et maintenant il reste juste à se lancer dans le débat. On part d'un grand sujet, un sujet qui saute évidemment tout de suite aux yeux. Wenn wir sozusagen die Begegnung ist hergestellt, ich habe sozusagen in aller offiziellen Haltung Sie beide vorgestellt. Wenn man jetzt sozusagen nach dem gemeinsamen Ausgangspunkt von Ihnen sucht, vom Erzählen, dann stößt man natürlich etwas sehr, sehr schnell auf etwas, was in beiden ihren Biografien und in ihren Werken präsent ist. Donc on trouve très vite quelque chose qui est présent dans vos biographies et vos œuvres respectives, le voyage, die Reise. Fangen wir mal an, Herr Ransmayr, wenn wir dieses große Thema, dann versuchen wir das etwas schärfer zu fassen. Inwiefern haben Sie das oder wann haben Sie festgestellt, dass Reisen, und vielleicht ist es aber auch ja gar nicht so, dass Reisen eine Inspirationsquelle, ein Ausgangspunkt ist, von dem ihre Geschichten oder aus dem Geschichten entstehen können, sozusagen die Begegnung mit Wirklichkeiten, mit Naturgewalten, mit historischem Geschehen und woraus dann Geschichten entstehen können. Und la question, si on prend le voyage comme un point de départ, une source d'inspiration pour des histoires, comment, et peut-être c'est faux, comment est-ce que vous voyez cette transition d'une réalité qu'on vit pendant un voyage, et d'un coup il y a une histoire qui naît. Das ist so die Frage, mit der ich mal hier anfangen würde gerne. Ja, zunächst als Leser von Büchern. Jeder von uns, der selber Geschichten erzählt, ist ja in vieler Hinsicht viel mehr Leser als Erzähler. Und in meiner Kindheit und Jugend waren natürlich alle diese Bücher, die von der Welt berichteten, eine wichtige Quelle der Erfahrung der Welt. Und das Reisen sozusagen war eine Art Wahrnehmung, eine erweiterte Wahrnehmung des eigenen Hörens, des eigenen Sehens auf die Welt. fait, tout commence par la lecture, parce que quand on est lecteur, on ne peut pas être lecteur sans se raconter des histoires. Pour moi, tout a commencé pendant mon enfance et ma jeunesse avec les livres qui m'ont fait voyager, qui m'ont donné une expérience du monde. Et le voyage a été par la suite une continuation de cette aventure-là. Noch dazu sagen darf dann, ich komme aus einem sehr kleinen Dorf in den Bergen. Mein Vater war Lehrer, wir waren 4 Kinder und es war unmöglich für meinen Vater so etwas wie ein Studium zu finanzieren. Deswegen haben wir alle, meine Geschwister und ich, Jobs gesucht und für mich war zum Beispiel die Arbeit eines Chauffeurs, auch manches Mal eines Reiseleiters, eines Bergführers, eine wichtige Arbeit. Ich habe für eine jordanische Firma Autos nach Saudi-Arabien und Syrien überstellt. Also zunächst war das Reisen einfach eine Form, mein Leben zu finanzieren. Moi, je suis née, j'ai vécu dans un petit village. Mon père était maître d'école, nous étions 4 enfants, donc mes parents, mon père n'avait pas forcément les moyens de me financer des grandes études. Donc pour mes frères et sœurs et pour moi-même, on a rapidement trouvé des petits boulots. Et pour moi, personnellement, c'était une façon de gagner ma vie et les choses que j'ai pu faire à cette époque. Par exemple, j'ai été chauffeur. Ou alors guide de montagne, donc déjà il y a déjà le voyage qui apparaît à ce moment-là. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné de transporter des voitures, enfin de travailler pour une entreprise syrienne et pour partir en camion jusqu'en Arabie Saoudite ou en Syrie. Olivier Rolin, est-ce que vous vous rendez compte que le voyage c'est aussi quelque chose qui marque en quelque sorte aussi le rythme de votre écriture, ou pas? Mais j'ai l'impression, en tout cas vous voyez, en ce moment même, sur une péniche, vous traversez les canaux de ce beau projet Passerelle d'Europe qui s'arrête ici à Nancy, qui va continuer sur cette péniche à Francfort. Est-ce que vous voyez cette influence, enfin, c'est ce lien entre les voyages et votre narration? Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a en effet un lien, il y a beaucoup, enfin la plupart de mes livres se passe hors de France, hors de Paris, hors de France. Mais en même temps, ce lien n'est pas obligatoire, enfin, n'est pas absolument essentiel. Je n'ai jamais voulu, et ça m'a même attiré quelques inimitiés, je n'ai jamais voulu me définir comme un écrivain voyageur. Voilà, je veux dire, on peut écrire sans voyager, on peut voyager sans écrire. Mais on peut écrire sans voyager. Bon, bien, mais cependant, pour moi, c'est important. Je pense que j'ai découvert ça, sans doute un peu comme Christoph Ransmayr. J'ai découvert ça parce que pendant un moment, j'ai fait le journaliste, si je puis dire. Je n'ai jamais été journaliste professionnel, en fait, je n'ai jamais eu de carte de presse, etc. Mais j'écrivais pour des journaux, j'écrivais quelquefois sur des événements, des catastrophes naturelles. On m'a envoyé en Colombie pour suivre une éruption volcanique catastrophique. Mais quelquefois aussi, je faisais des portraits de villes. Enfin bref, en tout cas, c'est pas à travers le journalisme sont nés mes premiers contacts vrais avec le monde, avec le monde extérieur. Je dirais que... Qu'est-ce que... Voyager, c'est dans une large mesure, pas complètement, mais dans une large mesure, se dépouiller de ses habitudes. Se dépouiller de ses habitudes linguistiques, de ses habitudes culinaires, de ses amis, des lieux qu'on connaît, etc. Il n'y a rien de pire que l'habitude. Il n'y a rien de pire que l'habitude pour un artiste, il y a rien, et spécialement pour un écrivain. Il n'y a rien de pire que le lieu commun. Hein. Donc, c'est important voyager parce que c'est se mettre dans cette situation d'absolue, enfin de naïveté, un peu comme un petit enfant qui est obligé de découvrir le monde. D'apprendre les mots pour le dire, etc. C'est un formidable... l'insécurité relative hein, dans laquelle on se trouve oblige voilà, à ce que tous les sens fonctionnent, soient ouverts, beaucoup plus qu'ils ne le sont. Quand on est, même ici à Nancy, je veux dire, on est à moitié sourd, à moitié aveugle, etc. Quand on est, je ne sais pas, n'importe où, moi souvent en Russie, en Sibérie, ou dans, enfin n'importe, on a les yeux beaucoup plus grands ouverts, les oreilles beaucoup plus grandes ouvertes aussi. Et donc tout cela, voilà, tout ça cette curiosité démultipliée est un excitant quoi, pour l'écriture. Dernière chose que je voudrais dire, moi, sujet. Bien sûr, c'est aussi par les lectures au début que l'envie de connaître le monde m'est venue, mais c'est beaucoup aussi par les cartes. Et je conserve cette attirance, très grande pour les cartes. Je me souviens d'une très grande, elle doit faire 3 mètres de long, map-monde qu'il y avait chez ma grand-mère, voilà, qui était institutrice également. Et j'ai toujours cette carte. Et quand je la regarde et que je vois des noms, des lieux, des noms où je ne suis jamais allé, j'ai tout de suite envie d'aller là, voilà, d'aller là où il y a ce nom. C'est les noms aussi, c'est les cartes et c'est les noms. Les noms, en ce moment, je l'ai dit hier, mais en ce moment, il y a un nom qui me tourne dans la tête et je crois que je vais finir par y aller, c'est la mer d'Arafura. Voilà, la mer d'Arafura, ça se trouve entre la Nouvelle-Guinée et le nord de l'Australie, mais ce nom me plaît. Il faut que j'aille dans ce nom. Voilà. Wenn ich da anschließen darf an das, was Olivier gesagt hat, wer transatlantische oder interkontinentale, lange, monatelange, jahrelange Reisen unternommen hat, wird irgendwann erkennen, dass Reisen keine Frage der Entfernung, der großen Entfernung, der Distanz ist, sondern auch wenn er, ich habe ja auch Ethnologie studiert und war in Papua-Neuguinea, im Südpazifik, in Amazonien, in Sibirien und so weiter, aber ich habe auch erkannt, wie jeder Reisende, dass es eigentlich immer ein Weg zu den Menschen, zu bestimmten Menschen war, dass es die Menschen waren, die mir gesagt und gezeigt und erklärt haben, was das Herz dieser jeweiligen Finsternis oder jeweiligen Welt ist. Und solche Reisen, jede Reise ist immer eine Reise zu den Menschen, wenn sie nicht ein Streifzug durch die Kulissen sein möchte, wird auch ins Innere von Menschen führen. Aber solche Reisen können wir auch unternehmen, wenn wir zum Beispiel ins nächste Flüchtlingslager gehen, gleich um die Ecke, 2 Kilometer entfernt, oder in ein Gefängnis oder eine psychiatrische Anstalt oder auch nur ein Krankenhaus. Und wenn wir uns diesen Menschen nähern und in ihre Geschichten eindringen, haben wir unter Umständen eine längere und weitere und abenteuerliche Reise gemacht als je zuvor. Alors, si je veux reprendre ce que disait Monsieur Rolin, quand on fait des longs voyages transcontinentaux qui peuvent durer des mois ou des années, on se rend compte qu'il ne s'agit pas vraiment de parcourir des distances quand on entreprend ces voyages. Moi, en tant qu'ethnologue qui a eu l'occasion d'aller un peu partout en Papouasie, dans le Pacifique, en Amazonie, en Sibérie, je me suis rendu compte que ce sont des voyages qui vous font rencontrer l'autre. Et ce sont les personnes qu'on rencontre pendant ces voyages qui, parfois, vous mènent jusqu'au cœur des ténèbres et qui vous font mieux comprendre le monde. Et donc de tels voyages passent toujours par d'autres hommes et d'autres femmes si on veut éviter tout simplement de traverser un paysage décharné. Mais on peut entreprendre aussi des voyages, finalement, en allant, sans aller très loin, mais en allant visiter un camp de réfugiés à 2 kilomètres, ou une prison, un hôpital psychiatrique, parce que si on se rapproche de ces personnes et qu'on comprend leurs histoires, alors on est capable d'entreprendre un voyage beaucoup plus long et beaucoup plus profond que n'importe quel autre voyage géographique. L'auteur, évidemment, contrairement peut-être à tout autre voyageur, a pas une tâche, mais une étape suivante derrière, c'est-à-dire l'étape de la traduction. Parce qu'on est face à cette expérience, face à ces aventures qu'on mène, ces rencontres qu'on fait pendant les voyages, les éléments à tous les niveaux qu'on rencontre. Et l'auteur, derrière, il ne se contente pas de cette... voilà, il y a quelque chose qui suit derrière, et c'est ça qui m'intéresse. Comment est-ce que vous construisez ce moment de traduction de cette expérience pendant un voyage qui, peut-être de temps en temps, peut mener à une histoire, dans beaucoup de cas peut-être pas. Comment est-ce que cette traduction se fait? Wie funktioniert das, dieser Übertrag auf diesen Reisen, dass sie nicht nur Reisender bleiben, sondern dass da etwas passiert, dass sie denken, das muss ich übersetzen. Da ist eine Übersetzungsarbeit zu leisten. Ich muss erklären, je dois évidemment essayer de traduire ce que c'est un océan que je vois, was das passiert, wenn ich einen Ozean sehe, dass ich das als Wort tatsächlich übersetzen kann. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous percevez ce moment de traduction? Comment est-ce que se déclenche C'est très, enfin, c'est très variable. Il n'y a aucune, recette, mode d'emploi. Enfin, la littérature ou n'importe quel art est une chose qui échappe à la règle. Bon, mais disons que quelquefois, ce sont des coïncidences. Bon, il m'est arrivé j'ai écrit 2 livres parce que le sujet, d'une certaine manière, j'avais eu l'impression qu'il s'imposait à moi. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Un chasseur de lions » parce qu'à 10 ans d'intervalle, et dans des lieux très différents, une fois en Terre de Feu et une autre fois à São Paulo, au Brésil, je suis tombé sur le même personnage, sur une représentation du même personnage. Un personnage qui est complètement inconnu, enfin, qui était une espèce d'explorateur ridicule français du 19e siècle. Bon. La seconde fois, quand il a surgi devant mes yeux sous la forme d'un tableau assez peu connu de Manet, exposé au musée de São Paulo, je me suis dit, ce mec me cherche. Il y a quelque chose là qui me... Bon. Le livre que vous avez cité, Le Météorologue, j'avais vu d'abord, j'étais allé aux îles Solovki pour tout à fait d'autres raisons, on m'avait montré des facsimilés de dessins qu'un déporté envoyait à sa fille, j'avais trouvé ça beau, ça m'avait frappé, mais voilà, je n'avais pas... Et puis, quelques années après, j'ai rencontré un type, un Français d'ailleurs, qui vivait à Moscou, qui avait très bien connu cette fille-là, à la fin de sa vie, la fille à la fin de sa vie. Bon. Donc c'est pareil, je me suis dit, c'est quand même bizarre, cette double rencontre. Évidemment qu'il fallait qu'il y ait quelque chose déjà qui m'intéresse, sans que je m'en rende compte. Bon. Mais c'est la collision de ces 2 rencontres fortuites qui a fait que je me suis mis à écrire. Ce que je voudrais dire aussi, parce que votre question, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là qu'il fallait l'entendre, ce qui est intéressant... Enfin, ça peut s'entendre aussi, comment ça se passe, comment est-ce qu'on voit, comment est-ce que les gens, les visages qu'on rencontre, les impressions, etc., finissent par donner un livre, donner de l'écriture. Bon, mais peut-être on y répondra après. Allez-y, non, mais oui. C'était les deux. Vous avez parfaitement... D'accord. Alors, moi, je passe mon temps, mais comme certainement Christophe, je passe mon temps à prendre des notes, voilà. J'ai toujours, sauf là, je suis venu, je ne m'imaginais pas que j'aurais à écrire quelque chose. Bon. Mais normalement, j'ai toujours un carnet de notes en poche et j'en ai, je ne sais pas combien, j'ai essayé de les relire récemment, j'en ai, disons, une 60aine déjà écrits. Et il faut absolument que, quand quelque chose nous frappe un tant soit peu, que ce soit un visage, une intonation, un paysage, une histoire, mais il faut tout de suite trouver les mots. Si on ne trouve pas tout de suite les mots, Pas la phrase, pas la construction, etc., mais les mots. Pas dire simplement la mer est bleue. Ça, non, c'est pas la peine. Bon, il faut trouver une qualité particulière qu'elle a, ou un bruit particulier que fait un arbre, etc. Enfin, bon, voilà, il faut que toutes les images soient déjà comme clouées, comme clouées sur la page par des petits clous qui sont les mots. Et puis, après, on rentre chez soi, après, on se met à une table, à son bureau, etc. Moi, c'est devant la mer. Et on se met à écrire, à construire tout cela. Mais si les mots n'ont pas déjà sont pas déjà dans le carnet, c'est pas la peine. Et par exemple, une chose, ça ne sert pour moi, en tout cas, ça ne sert absolument à rien de prendre des photos. Je peux prendre toutes les photos que je veux d'un lieu. Je ne le reconstituerai jamais après à partir des photos. Il faut qu'il y ait, encore une fois, les mots à peu près justes, quoi. Ja, darf ich einfach gleich dazu etwas Bitte. Sagen, was Ça, c'est l'idéal que vous prenez tout de suite. Le rêve d'un animateur. Also, ich habe einem Buch eben mit dem Titel Atlas eines ängstlichen Mannes einen Satz vorangestellt, der hieß immer noch, Geschichten ereignen sich nicht, also Geschichten geschehen nicht, Geschichten werden erzählt. Und das führt uns in eine ganz fundamentale Erfahrung, wie vieles am Erzählen, tief zurück in unsere eigene Geschichte, in der wir uns irgendwann erhoben haben und auf zwei Beinen zu gehen gelernt haben. Und plötzlich diese zauberhafte Verwandlung der Welt in Sprache, indem wir reden gelernt haben. Ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal am Meer stand und keinen Namen für diese ungeheure Weite, für diese Farbe, für diese Bewegung, für diese Dynamik und für das Donnern der Brandung hatte. Und dann mein Vater sagte Meer und ich Ozean. Und ich das Gefühl hatte, es ist unglaublich, was ist das für eine Magie, die das, was ich hier sehe, von Horizont zu Horizont, dieses Geräusch, diese Farbe, dieses Ungeheuerliche mit dem Himmel darüber, dass das alles in einem solchen Wort Platz hat, obwohl es ist nicht identisch, aber dieses winzige Wort provoziert in meinem Kopf dieses Bild. Und wie friedlich dieses winzige Wort im Wort Meer ist noch niemand ertrunken, ist noch kein Schiff versunken, hat es noch keine Tragödien gegeben, aber trotzdem enthält dieses Wort alles, was Meer sein kann. Und so geht es dann mit vielen Erfahrungen, die wir als Erzähler machen, dass wir nicht nur ein neues Wort lernen, sondern eine Geschichte, wie sie noch nie erzählt wurde, nämlich nur, wie wir sie... Oh, pardon, ich spreche zu lange. Ah, schöne parle français, malheureusement. Aber wenn ich noch dazu sagen darf, dass ich nicht Französisch spreche, ist natürlich peinlich, einerseits. Andererseits ist aber diese Rolle eines barbarischen, sprachlosen Idioten auch... gerade für einen Schriftsteller natürlich peinlich, aber es setzt ihn auch in die Lage, sich wie ein Kind zu verhalten, zu fragen, was ist das, wie heißt das, wie sagen Sie dazu? Und sozusagen wie ein Kind in einer neuen Umgebung so etwas wie groß zu werden, zum Erzähler zu werden und alles noch einmal und neu zu erzählen in seiner Geschichte. Und so sozusagen provoziert uns die Welt, die Erfahrung zu etwas, was zwar erzählen heißt, was aber eine Neuschöpfung der Welt ist. Bisschen pathetisch, tut mir leid. Aber so sind eben die Deutschsprachigen, neigen leicht zum Pathos. Pour reprendre un peu ce que disait M. Rolin, j'ai écrit un roman qui porte le titre « L'Atlas d'un homme inquiet ». Et dans ce roman, il y a une phrase qui dit que les histoires n'arrivent pas, on ne fait que les raconter. Et il y a là une expérience de fond qui nous ramène aussi à notre propre histoire, au moment où on apprend à marcher, au moment où on prononce ses premiers mots, on apprend à parler la langue. Et je me rappellerai toujours de la première fois où, en tant qu'enfant, j'ai vu la mer. Et j'étais absolument émerveillée devant toute cette immensité, devant la couleur, les mouvements de la mer, ses bruits, etc. Et mon père, à ce moment-là, m'a dit qu'il s'agissait de l'océan. Et pour moi, ça a été un instant absolument magique, parce que cette chose qui se mouvait d'un horizon à l'autre, toutes ces couleurs et ces bruissements, tout ce ciel par-dessus, tout ce mouvement, ça s'appelait la mer, ça avait donc un nom. Et toute cette immensité trouvait sa place dans une seule parole. Et donc, à tout jamais, ce mot est resté évidemment lié à cette image que j'ai de la mer. Et je me demandais aussi comment est-ce possible un mot aussi paisible, aussi petit, il ne semble contenir aucune tragédie, aucun naufrage, et pourtant il contient toute la mer. Et il est vrai que il ne s'agit pas seulement des mots, mais aussi de toute l'histoire qui se raconte à travers eux. Alors, c'est vraiment dommage, je ne parle pas le français, on se sent un peu comme un barbare privé de parole, mais en même temps, c'est aussi un état qui nous aide, nous les écrivains, parce qu'on est comme un enfant qui se demande comment on dit les choses, ce que signifie ce qu'on voit, ce qu'on nous dit. Et l'écriture, c'est aussi un peu ça, c'est être un enfant qui grandit en écrivant, qui grandit à nouveau et qui raconte encore une fois l'histoire du monde, qui répète cette histoire. Et le monde tel que nous le voyons, les expériences telles que nous les vivons, provoquent en fait cette reconstruction d'un monde nouveau. Je vais dire une chose, puisque vous avez cité l'Atlas d'un homme inquiet, j'ai tout de suite eu envie de lire ce livre à cause du titre, et notamment de l'inquiétude. D'ailleurs, je lui demanderai dans quel sens il entend ça, l'inquiétude. Mais malheureusement, je ne l'ai eu qu'un libraire me l'a généreusement apporté hier. Donc j'ai commencé à le lire hier. Et j'ai eu d'abord une espèce de mélancolie, de tristesse profonde, parce que je me suis dit, quand j'ai commencé à voir ce que c'était que ce livre, je me suis dit, merde, si vous permettez, c'est le livre que j'avais vaguement en tête de faire. Voilà, et il l'a fait. Bon. Et puis, bon, maintenant j'ai assez avancé dans sa lecture, je trouve ça formidable. Mais évidemment, je me dis, bon, d'accord, je vais le faire, mais pas tout à fait comme ça. Bon, donc je suis un peu rassuré. Mais en tout cas, c'est un livre magnifique. Je vais essayer de faire le lien de manière à peu près habile entre une citation que vous avez, je pense, fait, ou en tout cas que j'ai cru trouver, je ne suis plus très sûr, dans le Tigre en papier, où en quelque sorte vous résumez que aujourd'hui il y a juste le présent, vous me corrigez, hein. Aujourd'hui il y a juste le présent qui compte. Avant, le présent était beaucoup plus modeste, et le passé, et c'était le passé, le futur, qui avait un poids énorme, que, contrairement à aujourd'hui où c'est toujours le présent, le Big Bang du présent qui compte. C'est la pardon, oui. C'est une situation que je déplore, je ne dis pas ça pour exalter. Ah non. Oui, d'accord. Et ça, en quelque sorte, ça décrit, mais de manière parfaite, ce que vous, les lecteurs, j'espère, vous avez retrouvé dans Cox. Parce que au lieu d'être juste un symptôme, ce que vous allez, en tant que Goethe-Institut, on voit beaucoup de littérature contemporaine, au lieu juste de décrire, c'est quelque chose aussi ce que vous déplorez, juste de décrire les symptômes d'une réalité, dans ce livre, on se projette dans le temps, mais au sens concret, car ce Cox, c'est un fabricant d'horloges qui voyage en Chine, qui est invité par l'empereur de Chine, et avec une tâche très précise, il est censé construire des horloges pour cet empereur. Et avant peut-être d'entrer un peu dans le sujet, après évidemment derrière il y a toute une philosophie sur le temps, ce Cox et ses trois compagnons d'Angleterre qui sont dépaysé dans ce Chine très étrange auprès de la cour de cet empereur de Chine, évidemment, et qui, en quelque sorte, les oblige à réfléchir de manière différente de leur du temps. Par exemple, c'est une demande de l'empereur à un moment, mais construis-moi un horloge pour quelqu'un qui va mourir bientôt. Comment ce temps se déroule? Construisez-moi un horloge pour un enfant. Comment ce temps se déroule pour un enfant? Évidemment, derrière, et ça peut-être, je regarde de manière très prudente l'éditrice, je ne vais pas dire tout, mais évidemment, il s'agit évidemment à la fin aussi de l'infini et de temps qui nous est compté tous. Lieber Herr Ransmayr, ich habe es versucht, jetzt zusammenzufassen, ich hoffe so wenig dilettantisch wie möglich. Welche Geschichte wollten Sie erzählen? Sie wollten Sie die Geschichte eines Nachdenkens über Zeit erzählen oder eines Nachdenkens auch über Zeit eines Reisenden, der von seinen Gewohnheiten, Olivier Rolin hat es vorhin gesagt, dass wir als Reisender von unseren Gewohnheiten abgeschnitten sind und dass er sozusagen bei dieser Reise sich über die Aufträge, die der Kaiser ihm gibt, die verschiedenen Zeitmodelle abzubilden mit seinen Automaten, dass es darum geht, eigentlich darüber klar zu werden, was Zeit für uns bedeutet. Donc, la question, c'est très simple. Donc, est-ce que cette tentative, ou est-ce que c'était une narration qui voulait partir d'un homme qui quitte son environnement habituel, qui va dans un pays complètement étranger, 18e siècle à peu près, et on en parle des inspirations derrière, et qui, là-bas, dépaysé, essaye de se rendre compte et de construire ces différents modèles de temps, comment le temps déroule par des automates que, par exemple, vous voyez derrière. Also ich glaube, ein Erzähler oder auch ein Romancier geht in eine Falle, wenn er seine Erzählung mit allzu viel abstrakten philosophischen Absichten beschwert. Dann sollte er besser einen Essay schreiben oder ein philosophisches Buch. Eine Erzählung folgt anderen Gesetzen, und das, was an ihr möglicherweise philosophisch auch gelesen werden kann, das ist ein Abfallprodukt. Ich wollte vor allem, ich war auf einer Rückreise von Tibet nach Irland, weil ich damals in Irland gelebt habe, und habe meinen Anschlussflug in Beijing versäumt und habe einen Freund besucht, einen chinesischen Freund, der mich eingeladen hat, mit ihm in die verbotene Stadt zu gehen, weil da ein neuer Pavillon eröffnet worden wäre, dieser Pavillon zeigt eine riesige Kollektion von Uhren, die der Kaiser Qianlong dort aufgetürmt hat. Und im Prinzip, also ich mache das kurz, das ist nicht kompliziert, aber lang. Am Ende meiner kleinen Recherche in Beijing hatte ich zwei Charaktere. Einen chinesischen Kaiser, der unter seinen vielen, vielen, vielen Titeln auch den Titel Lord of Time, der Herr der Zeit, hat. Also ein als Gott verehrter, absoluter Herrscher, der auch die Zeit beherrscht, heißt es. Und auf der anderen Seite einen Clockmaker, einen Uhrmacher, der die Zeit messen soll mit verschiedenen Instrumenten. Und was diese beiden verbindet, ist eine ganz einfache Erfahrung, die wir alle kennen, nämlich, dass die Zeit unterschiedliche Geschwindigkeiten hat, ob wir uns in unserem Glück oder in unserer Trauer am Anfang unseres Lebens oder am Ende unseres Lebens als Kranke oder eben als versunken in irgendeine Leidenschaft erleben. Und die Aufgabe, die der Kaiser diesem Clockmaker stellt, war: Bau mir für jede existenzielle Situation, wie Sie gesagt haben, eine Uhr. Das wird aber sehr dramatisch, als dieser Kaiser, der ja der Herr der Zeit ist, sagt: Bau mir eine Uhr am Ende für die Ewigkeit, also das Perpetuum mobile. Das heißt aber, der Uhrmacher muss sich über den Kaiser erheben, wenn er diese Uhr bauen will. Und Das wird für ihn zu einer lebensgefährlichen Arbeit. Ich möchte zwischendurch einfach immer unseren Übersetzern oder meinen applaudieren, weil ich finde, es ist eine großartige Arbeit. On peut applaudir tout de suite. Hein, alors, je pense que quand on écrit, il ne s'agit pas de faire dans l'abstrait ou dans la philosophie, parce que le roman obéit à d'autres lois. Et si jamais j'ai produit à travers ce roman des pensées philosophiques considérées comme un simple détritus, ce qui est arrivé en vérité, c'est que ce livre a commencé parce qu'à un moment donné, j'étais en voyage entre le Tibet et l'Irlande où je vivais, et j'ai perdu un avion. Je me suis retrouvée coincée à Beijing, à Pékin, où j'ai eu l'occasion de retrouver un ami chinois qui m'a invitée à la Cité Interdite pour visiter un nouveau pavillon qui venait de s'ouvrir, et dans lequel était présentée une magnifique et très riche collection de montres qui avait appartenu à l'empereur Qianlong. Et donc, j'ai eu l'occasion de voir cette exposition qui a été le début d'un voyage, mais pour dire les choses brièvement, ce qui s'est passé à ce moment-là, pour moi, à la fin de mes recherches sur cette collection, il restait dans ma tête deux personnages. D'une part, l'empereur de Chine, un homme tout-puissant qui, croulant sous les titres, était aussi appelé le maître du temps. Et d'autre part, un simple horloger qui, lui, était chargé de mesurer le temps et de créer des instruments capables de mesurer le passage du temps. Et le temps était donc le trait d'union entre ces deux personnages très, très différents. Et la commande qui est passée par l'empereur de Chine, c'est justement de créer une montre capable de mesurer les différentes variations de vitesse du temps. En effet, le temps s'écoule différemment selon les situations où l'on se trouve, selon qu'on est heureux ou malheureux, en fin de vie ou au premier jour de sa vie, malade ou simplement pris dans les affres de la passion. Et donc, cette montre... l'empereur passe commande d'une horloge qui serait capable de mesurer ces différents tempos de la vie. Mais à la fin du livre, on se retrouve devant une situation qui est dramatique, parce que vous avez cet horloger qui est chargé de créer le perpetuum mobile, c'est-à-dire le mouvement permanent, une horloge qui serait intemporelle et qui fonctionnerait à l'infini. Mais en faisant cela, s'il réussit à créer cet objet, à ce moment-là, il se place même au-dessus de l'empereur lui-même, puisque c'est l'horloger, d'une certaine manière, qui devient maître du temps, et à ce moment-là, il risque la peine de mort. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette constatation que, ce que vous lisez aussi, les critiques dans les journaux allemands, cette philosophie derrière dans le temps est juste un produit dérivé derrière. De cet départ, de cette histoire autour de ces deux personnages. Monsieur Rolin, j'aimerais bien revenir sur Le Météorologue, parce que c'est un livre que j'avais le plaisir de découvrir, et comme Cox d'ailleurs, j'avais un bel été, j'avais ces deux livres qui m'ont accompagné. Encore une fois, vous pouvez les acheter à la fin de cette rencontre. Le Météorologue, n'est-ce pas aussi une réflexion, peut-être je me trompe, mais peut-être aussi une réflexion sur le temps de quelqu'un qui mène une vie dans un système sous Staline, mais d'un coup qui est accusé en français de sabotage et qui passe le reste de la vie jusqu'à sa mort dans un goulag. Enfin, c'est ça le... Goulag signifie direction centrale des camps, donc ouais. Il est impropre de dire un goulag, ouais. Mais dans un camp du goulag. Dans un camp de goulag, où il écrit, et ça c'est, vous voyez ça dans les livres, et c'est ce que vous avez retrouvé, cette correspondance avec sa fille, qui de cette situation extrêmement terrible pour cet homme, qui croit toujours dans ce système et qui n'abandonne pas ses idées, qui envoie ses dessins pour entretenir un lien avec sa fille et sa famille. Mais je me posais la question si ce n'est pas aussi une réflexion du temps de quelqu'un qui est dans l'agitation de projection et quelqu'un qui veut inventer, qui a des... C'est un météorologue, là aussi vous me corrigez, c'est un météorologue qui imagine déjà une énergie solaire, qui a des visions. C'est quelqu'un qui se projette non seulement dans une société, mais aussi dans la recherche, très très loin, dans le futur, et qui d'un coup est arrêté, où le temps s'arrête, où il vit sur le présent et plutôt sur le passé. Donc, n'est-ce pas aussi surtout une réflexion du temps qu'on retrouve ici, sans vouloir essayer de faire à tout prix ce lien avec le Cox? Non, mais je ferai tout à l'heure le lien avec Cox, une fois que j'aurai répondu à votre question-là. Oui, si vous voulez, bien sûr, mais c'est surtout... enfin, je suis d'accord avec ce que dit Christoph Ransmayr, je veux dire, toutes les généralisations plus ou moins philosophiques, etc., sont quand même en effet l'écume de ce qui est la profondeur d'un livre, quoi. Bon, mais dans la mesure où j'ai voulu réfléchir à des choses, ou plus exactement où des choses me sont apparues à mesure que j'écrivais le livre, la chose peut-être la plus importante qui m'est apparue, c'est au fond ce qu'il y a de pire sans doute dans l'emprisonnement, la déportation, que je n'ai pas connue, c'est de se sentir tout d'un coup inutile, de se sentir retiré du mouvement général du monde. Bon. Et c'est ça qui le fait au fond le plus souffrir. Il sait que d'autres météorologues continuent l'exploration de la stratosphère, des choses comme ça, mais lui, il n'y peut plus rien. Bon. Et donc, en effet, la correspondance qu'il entretient avec sa fille, c'est sa seule manière encore d'être un peu utile, c'est-à-dire de continuer l'éducation de son enfant, voilà, à travers ses herbiers, etc. Mais voilà, en effet, être emprisonné, être déporté, c'est être, oui, c'est être retiré du temps, c'est-à-dire être retiré du progrès des choses, du mouvement des choses. Bon, et je pense que c'est ça la plus grande souffrance. Mais je voudrais revenir un peu avant sur le temps. Tous romanciers, nous essayons d'être lords of time. Bon, notre matière, c'est véritablement cela. Inutile de citer le plus grand roman français du XXe siècle, bon, qui est précisément cette recherche de reprendre, de retrouver le temps passé. Et moi, cette chose m'a aussi fasciné. Et moi, il m'a fasciné pas du tout à travers une collection d'horloges vues au palais, à la Cité Interdite, mais à travers un pays qui est le Soudan. Et mon livre qui se rapprocherait le plus, disons, de Cox, il est traduit en allemand, donc c'est celui qui s'appelle Méroé. Et parce que ce qui m'a absolument fasciné dans le Soudan, c'est que ce sont des civilisations qui reproduisent, qui font durer une civilisation originelle bien au-delà de sa vie réelle. Je veux dire, les civilisations méroïtiques, par exemple, se prenaient d'une certaine façon pour des Égyptiens pharaoniques, écrivaient en hiéroglyphes, etc., alors que l'Égypte pharaonique avait disparu depuis... voilà, j'ai un peu oublié les dates, mais enfin depuis 1000 ans, pratiquement. Bon, et eux continuaient ça, se prenaient pour l'Égypte. Bon. Et puis ensuite, il y a eu des royaumes chrétiens qui parlaient grec. Enfin, ils ne parlaient pas grec, mais leur langue liturgique, c'était le grec. J'ai vu des inscriptions dans un grec absolument... comment dire, qui est devenu incompréhensible, mais ce sont quand même des caractères grecs et qui datent du XIVe siècle. Bon, alors que, la conquête arabe a rendu cela complètement, enfin, coupé tout lien avec Byzance, et que même Byzance va cesser d'exister, etc. Donc voilà, cette façon que des poches des poches de passé subsiste. Ce rêve de faire marcher le temps à rebours, en effet, et de retrouver quelque chose que nous avons aimé, un être que nous avons aimé, par exemple, un lieu, de le retrouver comme dans un repli. Le rêve que le temps soit, soit pas, comme nous pensons qu'il est, une flèche, mais soit replié comme un corps, qu'il y ait des cavités, qu'il y ait des choses de densité différentes. Voilà. Donc il me semble que c'est une réflexion un peu semblable, enfin très semblable même à celle du livre Cox. Ich würde mich gerne dem Leser bei Ihnen zuwenden und einfach, wir hatten vorhin kurz darüber gesprochen, welche Rolle dem Leser zukommt, weil Sie beide dazu sehr klare Meinung haben. J'aimerais bien tourner vers le lecteur de vos romans. On va essayer, j'aimerais bien mener à une petite réflexion, à avoir votre avis sur ce sujet-là, parce que tous les deux, je le disais tout à l'heure, et vous le disiez dans un interview, si j'ai bien compris, que vous déplorez, entre autres, que la littérature ne devrait pas se contenter seulement d'être un symptôme de notre réalité, mais il faut une histoire, il faut des racines, il faut des projections, il faut aller au-delà de notre simple, je dirais, entourage. Et c'est un peu le propre aussi de la littérature, ce qu'on attend au lecteur. Enfin, ce qui m'éblouit, ce qui m'a ébloui cet été par vos deux livres, c'est-à-dire vous êtes un simple petit être humain et vous avez, avec une certaine violence, tous les deux, la capacité de nous élever au-dessus de notre quotidien et de nous emporter, mais en même temps de permettre de laisser assez d'espace dans vos histoires, dans votre narration, que les lecteurs puissent se développer eux-mêmes, puissent développer ces histoires. Christoph Ransmayr disait tout à l'heure que finalement un lecteur, quand vous allez poser la question de ce qu'il retient d'un livre, c'est peut-être un personnage, une citation, mais le reste, c'est un bruit de fond, c'est une atmosphère derrière qui reste. Comment est-ce que vous voyez vos livres qui tombent dans la main d'un lecteur? Et est-ce que, j'ai déjà compris que vous ne voulez pas avoir un monopole de compréhension là-dessus, mais qu'est-ce que vous espérez, en quelque sorte, qu'est-ce que vous espérez amener au lecteur, peut-être comme un écran ou quelque chose? C'est un sujet qui m'intéresse et ce dont on a parlé tout à l'heure, mais j'avais l'impression, en lisant votre livre, c'est ça aussi, enfin, c'est ce qui m'a fait, moi, lecteur. Par exemple, dans Le Météorologue, c'était une possibilité pour moi de me projeter, de sortir de mon petit quotidien et d'aller non seulement dans la peau d'un autre, évidemment, de s'approcher de quelqu'un d'autre, mais aussi de s'éloigner de soi-même. Bien, exactement, vous avez dit oui, c'est ce que je voulais vous répondre. Mais enfin, je vais tout de même broder un peu là-dessus pour faire mon métier. Bon, je vais citer, il y a une phrase de Paul Valéry que je cite souvent. Paul Valéry parce que c'est un homme quand même d'une intelligence exceptionnelle. Il est un peu méprisé maintenant parce que c'était le poète officiel, etc. Mais enfin bon, il y a toujours des pensées remarquables sur la littérature, sur des tas de choses dans Paul Valéry. Et donc il dit cette chose, il dit à peu près, il écrit ça mieux que moi, mais que je ne vais le dire, mais aucun homme ne pourrait vivre sa vie s'il ne pouvait pas en vivre des centaines d'autres. Bon. Voilà, pour vivre ma vie, pour être un tant soit peu libre, pour réfléchir, pour pouvoir me débrouiller, mais même dans des circonstances qui n'ont absolument rien à voir avec la bibliothèque, avec la littérature, etc. Eh bien, pour cela, il faut que j'ai vécu aussi des centaines d'autres vies. Voilà. Il faut que j'ai été une femme du 19e siècle en province, c'est-à-dire que j'ai été Madame Bovary. Il faut que j'ai été un prisonnier. Il faut que j'ai été le prince André à Austerlitz. Il faut, etc. Il faut que j'ai été un cloporte avec Grégoire Samsa, etc., etc. Voilà. La littérature sert à ça et c'est à faire que nous puissions vivre notre vie parce que nous en vivons des centaines d'autres. Et donc, ben moi, quand je fais de ce point de vue-là, quand j'ai écrit Tigre en papier, qui raconte l'histoire un peu picaresque d'une bande de gauchistes dans les années 70. Je l'ai fait parce que je l'ai vécu d'abord. Je l'ai fait un petit peu pour continuer à m'en souvenir, parce que sinon, à force, j'oublie, pour fixer mes souvenirs. Mais je l'ai fait surtout parce que je me rendais compte que cette aventure-là était devenue incompréhensible pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Donc, or, elle fait partie de l'expérience humaine, quand même. Elle fait partie de l'expérience de la jeunesse européenne de ces années-là, des années d'après-guerre. Donc, d'une certaine manière, c'était... C'est pas bon de voir, mais enfin, en tout cas, l'écrivain a à faire ça, à aider les autres à vivre des vies qu'ils n'ont pas vécues. Voilà. Et de même, bien sûr, pour le météorologue, pour l'expérience de... C'est plus compliqué pour le météorologue parce que, je veux dire, il y a des expériences extrêmes qu'on décrit avec un peu de scrupule. Être déporté puis finalement fusillé, c'est pas la même chose que d'avoir été un jeune gauchiste dans les années 70, ou c'est pas la même chose que d'avoir été un aventurier français à la fin du 19e siècle, etc. Donc là, il y a plus de scrupules. C'est pourquoi d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça se marque dans le style, qui est beaucoup plus sobre, beaucoup plus... J'ai l'impression de toucher à du feu un peu. Als ich den Papiertiger gelesen habe, war eine der Konsequenzen, dass ich die Peking-Rundschau, die ich bis dahin abonniert hatte, abbestellt habe. Also das ist nur ein winziger Kommentar, aber im Prinzip ist es ja so, aber es ist auch genau das, was Olivier sagt. Es gibt, wenn es denn überhaupt ein Grundverhältnis, ein Grundgesetz im Erzählen gibt, dann bedarf es im Erzählen zumindest zweier Dinge. Einer Stimme, es braucht eine Stimme und ein Ohr. Ohne das Ohr des Zuhörers oder Lesers bleibt eine Erzählung und alle Literatur ein autistisches Sprachspiel. Aber nicht nur, weil das Publikum wichtig ist, um das Erzählen weiter auch zu finanzieren, weil wir leben ja wunderbarerweise, vielen Dank, wunderbarerweise von Ihnen. Und deswegen können wir weiter erzählen. Aber nicht nur, weil es dieses wichtige Verhältnis gibt, sondern weil die Geschichte sich von ihrem Erzähler löst und weitererzählt, verwandelt in etwas Neues, verwandelt wird. Also, und das ist ein Prozess, der noch zur Geschichte selber gehört. Also auf vielerlei Hinsicht sind Leser oder Zuhörer mit dem Erzähler, mit dem Schreiber untrennbar verbunden. Sie gehören unbedingt zusammen. Und was vielleicht auch noch eine Intention aller Literatur ist, was Olivier gerade gesagt hat von den vielen Leben der anderen, nämlich in uns selber eine Vorstellung davon zu wecken, zu kreieren, worin das Glück und das Leiden und das Leben der anderen besteht. Nicht unser eigenes, sondern der anderen. Dass dadurch unsere Vorstellung von der Welt, also von der Welt der Menschen, vom Glück und vom Leben der Menschen größer und reicher wird und uns dadurch vielleicht auch immun macht oder besser gewappnet macht gegen Dogmatismen, die sagt, nur diese eine Position, nur dieser eine Menschentyp ist der über andere herrschen soll. Das heißt, unsere Augen einfach öffnen, sodass unser Auge sozusagen wie zu dem Facettenauge einer Fliege wird, die viele, 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 viele Informationen aus aller anderen Welt auch aufnimmt und deutet und ins eigene Leben hereinholt. Bitte? Ach so, das war die P. Ich war als guter Philosophiestudent natürlich auch extrem links eine Weile und hatte die Peking-Rundschau. Olivier kennt sie vielleicht, die gab es in vielen Sprachen, die Peking-Rundschau, die aus Peking in alle Welt verschickt wurde. Ja. Alors moi, quand j'ai lu le Tigre en papier pour la première fois, ma première réaction, ça a été de me désabonner du journal Peking Runchao, qui est une revue chinoise. Et je rejoins Olivier parce que je pense qu'il y a une loi fondamentale dans l'écriture, dans le récit, c'est qu'il faut une voix et il faut quelqu'un qui écoute. Et sans le lecteur, il n'y a pas d'écriture. L'écriture sans le lecteur ne serait qu'un jeu autiste. Mais évidemment, nous, il faut aussi continuer d'écrire pour financer notre existence, parce qu'on vit de cela, nous vivons très bien d'ailleurs. Mais en tout cas, les histoires que nous écrivons, l'histoire se libère toujours de son auteur et elle entame une transformation. Et ce processus fait partie de l'histoire elle-même. Il y a entre le lecteur et l'auteur un lien indéfectible. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et comme l'expliquait aussi Olivier, à travers l'écriture, nous pouvons aussi vivre la vie des autres. Nous pouvons faire l'expérience de leur malheur, de leur bonheur, de leur désir, et donc vivre autre chose que nos propres aventures et nos propres expériences. Et c'est à travers la vie des autres qu'on réussit aussi à s'enrichir et qu'on ne reste pas enfermé dans des dogmatismes qui nous font penser que quelqu'un puisse être supérieur à quelqu'un d'autre. Donc c'est une façon de s'ouvrir au monde, d'ouvrir les yeux au monde, et nos yeux deviennent un peu comme les yeux d'une mouche avec de multiples facettes qui nous permettent de saisir de multiples réalités. Je vais juste raconter une petite histoire qui est sur le rapport entre ce qui est imaginé, enfin le vrai et le faux, entre ce qui est imaginé et ce qui est décrit. Dans ce bouquin Tigre en papier, j'ai raconté en les déformant un peu, en les romançant, mais enfin quelques actions illégales, subversives, que nous faisions à l'époque. Et ça part de... Voilà, j'ai juste un peu romancé. Et puis il y en a une que j'ai complètement inventée parce que je trouvais ça marrant et que je trouve qu'on aurait pu faire ça à l'époque. C'était donc cette bande d'Hurluberlu s'introduit dans un concours de chiens à Deauville, de beaux chiens, quoi, des chiens de... Non, de chats, pardon, des chats de race, et sabote tout, et tous les chats foutent le camp, etc. Enfin bon, panique, et bon, voilà. Ça, je l'ai complètement inventé. Et après, quand le livre a paru, un type, un ancien de ces années-là, m'a dit « Ah, c'est formidable ton truc, etc., c'est très inventé, etc. » Mais j'ai reconnu l'histoire du concours de chats à Deauville. C'est-à-dire la seule qui n'avait pas eu lieu. C'était celle qui... Avant de vous laisser la parole tout de suite pour que vous puissiez poser vos questions aux deux auteurs, c'est une question, vous me voyez dans l'obligation d'un directeur de Goethe-Institut de faire le lien entre Francfort et Nancy. Donc la question qui s'oblige évidemment, et vous me dites très franchement s'il n'y a aucune influence, est-ce qu'il y a sur votre œuvre, sur votre expérience, est-ce qu'il y avait, Olivier, Christoph Ransmayr, une influence de la littérature germanophone ou française des œuvres, vous avez parlé de Gregor Samsa, qui vous ont marqué profondément? Juste peut-être, si vous voulez citer un, pour qu'on fasse le pont. Ich denke, es gibt, wenn es denn eine Erzählung gibt, die uns rührt, die uns bewegt, die uns beschäftigt, dann geht von jeder dieser Erzählungen ein Einfluss aus. Auch wenn wir nicht sagen können, dies oder jenes genau. Aber wenn uns Literatur, eine Geschichte, die Geschichte eines Erzählers nicht erschüttert, dann haben wir sie nicht gelesen oder dann sind wir auch die falschen Leser. Man kann ja nicht alles lesen, aber wenn sie uns erschüttert, dann verändert sie uns auch. Auch wenn wir nicht genau sagen können, worin dieser Einfluss bestand, weil ich mich erinnere an meine... Haben Sie eine aus der französischsprachigen Literatur, sozusagen ein Werk, das Sie besonders erschüttert hat? Nein, das sind immer die allerletzten jeweils, also die neuesten, für mich neuesten. Ich kann mich erinnern, dass ich den Chasseur, den Löwenjäger, ja, mit großer Begeisterung gelesen habe, weil ich viele Dinge wiedererkannte, die ich zwar erlebt habe, aber nie zu Papier gebracht. Und dann waren natürlich die großen Romane von der Madame Bovary bis auf der Suche nach der verlorenen Zeit, die ich gemeinsam mit meiner verstorbenen Frau gelesen habe. Also wir haben uns das gegenseitig vorgelesen. Ich wollte das gar nicht, aber nachdem ihre Vorlesung mich hineingezogen hat, habe ich auch begonnen, darin zu lesen. Das, oder natürlich als Kind, ich habe anstelle von Märchen Balzac gelesen, weil natürlich auch die erotische Komponente eine zauberhafte Sache war. Also da gibt es ganz viele Brücken. Ich würde nicht mal sagen Frankreich, weil mich die nationale Komponente, lange wusste ich gar nicht, dass Balzac ein Franzose war. Mich haben nur die Geschichten interessiert und ich habe das auch anders ausgesprochen, ja? Balzac. Das erinnerte mich an ein schnelles Wort. Ja. Ich habe nicht mal Sack gesagt. Also da gibt es viele Brücken und am Anfang und am Ende der Brücke stand jeweils der jeweilige Autor. Flaubert war für mich, also auch seine Lebensgeschichte, ich habe nicht seine Romane am Anfang gelesen, die Madame Bovary, sondern seine Briefe. Und das hatte zum Beispiel damit zu tun, dass ich mir zum ersten Mal gewünscht habe, auch Schriftsteller zu werden. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich dann solche Briefe schreiben kann, dann muss das eine schöne Sache sein. Je trouve que d'une manière générale, quand on est touché par un récit, on est toujours influencé par la totalité de ce qu'est la littérature, pas forcément de ce qui se passe en détail dans un ouvrage, mais c'est quand la littérature nous touche profondément, nous fait vaciller, que l'on est véritablement un lecteur, parce que quand la littérature nous touche profondément, elle nous change intimement. Alors moi je dois dire que les livres les plus marquants pour moi sont toujours ceux que j'ai lus en dernier, donc les auteurs que j'ai lus en dernier. Mais je me souviens très bien du Chasseur de Lions, un livre que j'ai lu avec enthousiasme parce qu'il racontait des faits que j'avais vécus mais que je n'avais pas décrits, que je n'avais pas eu l'occasion d'écrire. Après, évidemment, oui, il y a des livres français des œuvres françaises qui m'ont marqué, comme le personnage de Madame Bovary, La Recherche du temps perdu, qui sont d'ailleurs des lectures que j'ai faites avec ma femme, moi un peu à reculons au départ, mais on a lu ces livres. Je me rappelle aussi qu'en tant qu'enfant, j'aimais beaucoup lire Balzac, j'étais aussi touchée par la composante érotique de certains passages, mais pour moi ce n'était pas de la littérature française parce que je ne distinguais pas les livres de cette manière-là. Pour moi, Balzac, c'était une histoire qui me plaisait. D'ailleurs, je prononçais mal son nom. Pour moi, c'était un nom qui claquait, qui se prononçait vite, ça me plaisait. Mais finalement, ce qui fait le pont, c'est qu'au bout de chaque histoire, on rencontre un auteur. Après, évidemment, je peux aussi citer un auteur qui, lui, a été vraiment marquant, qui est Flaubert. Je n'ai pas commencé par ma première lecture de Flaubert, ça a été sa correspondance. Et ces lettres étaient tellement magnifiques et je pense que si je suis devenue un écrivain par la suite, c'est aussi grâce à la lecture de ces missives, parce que je me suis dit, si on peut écrire d'aussi belles lettres, cela vaut peut-être la peine d'être écrivain, de devenir écrivain. Comme vous l'avez évoqué, Kafka, le fait est que c'est probablement l'auteur de langue allemande qui, je ne dirais pas du tout qui m'a le plus influencé, parce que je pense n'écrire nullement des choses qui ressemblent à Kafka, malheureusement. Enfin, heureusement, il faut inventer. Enfin voilà, disons que celui que je garderai, c'est un peu banal, c'est un peu bête de dire ça, mais c'est lui. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai lu intégralement L'homme sans qualité, Musil. Bon, je ne sais pas si je le referai maintenant, j'étais très imbu à l'époque, enfin je veux dire, cela aurait pu m'entraîner dans une mauvaise direction d'ailleurs, bien que Musil soit un grand auteur, mais c'est-à-dire dans la... Je me faisais à l'époque l'idée que la littérature était une espèce de branche de la philosophie, justement l'idée que je n'ai plus tout de même maintenant. Mais enfin, disons que Musil a compté quand même aussi dans ma formation. Et puis je dirais, c'est un peu une pirouette, mais je vais la faire. Il y a aussi des auteurs qui comptent parce qu'on ne les a pas lus et qu'ils sont à remords. Et alors pour moi, j'en parlais hier ou avant-hier, je ne sais plus, pour moi, voilà, je n'ai toujours pas lu La Montagne magique. Et pourtant, j'ai acheté la nouvelle traduction, et je me suis dit que j'allais la lire cet été, et je ne l'ai pas fait encore. Donc, eh bien, La Montagne magique compte pour moi, mais comme, oui, à cette façon, comment dire, négative. So, Sie sind dran. À vous. Haben Sie Fragen? Est-ce que vous avez des questions pour les deux auteurs? Il me semble qu'on a un micro. Ne soyez pas timide. Attendez. C'est pas une question, c'est peut-être une bêtise. On connaît bien votre voix par France Culture. Quelle émission? Je ne suis pas si fréquent à France Culture. Vous n'avez pas une émission jamais de la vie, non? Non, vous confondez. Donc c'était bien une bêtise. Oui, oui, oui. Vous n'êtes pas souvent. Mais il faut se lancer, il faut dire des bêtises. Vous n'êtes pas invité à France Culture? Ah, invité, si, ça m'arrive, bien sûr, oui. Mais je n'ai jamais eu d'émission ni de chronique dans les jeux. Enfin, non, je vous assure. Mais récemment, vous avez peut-être pu m'entendre à France Culture parce qu'ils ont diffusé des choses qu'ils appellent pompeusement et de, comment dire, masterclass. Et qui, ben voilà. Oui, c'est ça. Mais c'était une émission. Bon, alors on va faire voilà. Une pétition. Pour que vous si vous voulez. Enfin, il serait temps, il faut se dépêcher quand même. Ich laufe zu Ihnen. Et en fin de compte, comment vous deux, vous appréhendez le temps? Und 5 minutes. Nicht anders als Sie. Also einerseits, jeder Erzähler spielt natürlich mit der Zeit. Insofern, ich bestimme, wie lange ein Mensch in meiner Geschichte lebt, ob er jung stirbt oder als Greis. Ich weise allen Dingen und Menschen und Wesen die Zeit zu. Tue so, als ob ich das wäre, was der Kaiser von China für sich beansprucht hat, nämlich the Lord of Time. Ja? In Wahrheit sehe ich aber, ich werde alt, ich bin selber ein Opfer der Zeit. Ich kann nur darüber schreiben, aber ich kann mich nicht darüber erheben. Genauso wenig, wie Sie sich über die Zeit erheben können. Wir können uns vielleicht nur darauf verständigen, dass wir sagen, gut, wir fügen uns und lassen sie in Würde vergehen. Einstein hat gesagt, eine Sekunde unter einer Heißplatte ist ein Jahr. Ein Jahr, ja, genau. Ein Leben, eine schöne Dame ist eine Sekunde. Ja. Oui, évidemment, en tant qu'auteur, l'auteur joue avec le temps. C'est moi, en tant qu'auteur, qui décide de la durée de vie d'un personnage. Je décide s'il va mourir vieux ou jeune. Et je suis d'une certaine manière, comme l'empereur de Chine, le maître du temps. Néanmoins, comme vous, je subis le passage du temps, le temps passe, je n'y peux rien, et la seule chose qu'on puisse peut-être faire, c'est accepter le passage du temps avec une certaine dignité. Non, mais je ne vais pas vous dire que je commence à songer à ce qui arrivera dans 10 ans, dans 15 ans, après ma mort, etc. Bien que ce soit le cas, j'ai reçu récemment... Enfin bon, non, justement, je ne vais pas vous raconter ça. En tout cas, disons que la fin personnelle, pour moi, du temps, est une chose à laquelle je songe plus, à laquelle je réfléchis plus qu'il y a 10 ans. Bon. Bref, mais enfin, tout ça, ça ne vous apprendra rien, ça ne vous atteindra pas. Non, ce que je pourrais dire, mais là aussi c'est une boutade, c'est que moi je suis plutôt un impatient, plutôt un homme pressé, etc. Et que donc j'aurais une horloge qui serait faite sur ce rythme-là, très speedé. Et là, je fais l'apprentissage, puisque je suis donc sur une péniche qui navigue à 5 km/h et encore dans les bons jours, quand il n'y a pas, sur les fleuves impassibles. Et donc, je fais l'apprentissage d'un temps beaucoup plus lent, donc d'une autre horloge que m'a fabriquée Cox, et c'est très intéressant et agréable. Je sais pas si, je ne sais pas si c'est un philosophe, mais qui est-ce qui disait si on me demande ce que c'est le temps, je sais ce que c'est, mais si on ne me le demande pas, je sais ce qu'est le temps, mais si on me le demande, je ne le sais pas. Je ne sais plus qui est-ce qui disait ça. Ah ben non plus, je ne sais plus. C'est célèbre. Non, j'essayais d'ailleurs désespérément, pendant que Christophe parlait, j'essayais désespérément de me souvenir de nouvelles de Borges, qui sont des paradoxes comme ça sur le temps. Je crois me souvenir, il y a un type qui va être fusillé entre le temps que la balle met pour sortir du canon et pour l'atteindre, il a le temps d'écrire un poème. Enfin, je ne sais plus. Bref, je me souviens pas. Je ne peux pas répondre à votre question et je ne me souviens pas non plus des nouvelles de Borges qui fussent venues à mon secours. Pardon ? Il est temps de lire La Montagne magique. Oui, j'espère que j'ai encore le temps, oui. Bon. Oh, écoutez, vous êtes gentil. Oui. Avec ces réflexions philosophiques, tout... Ah oui, on a encore une question. J'aurais une petite question à l'égard de M. Ransmayr. Donc les voyages jouent la rencontre avec l'autre, avec l'étranger, jouent un rôle très important dans vos écrits. Je voulais savoir si l'Autriche, ce qu'elle a été, ce qu'elle est, occupe une place particulière aussi dans le processus d'écriture pour vous. Eigentlich nur als das Schauplatz. Also mich haben die Nationalitäten weder von Kunst noch von Literatur je besonders interessiert. Mich haben nur die Lebensschauplätze von manchen Menschen interessiert. Und da ist natürlich die Kulisse meiner ersten 2 Jahrzehnte, die lagen eben in Österreich. Und insofern gibt es da natürlich vieles, was noch nachwirkt. Nicht als österreichisches, sondern als die Dramen, die sich in diesen Gegenden ereignet haben. Wie zum Beispiel, dass ich ging am Ufer eines Sees zur Schule und am anderen Ufer waren die Reste eines großen Konzentrationslagers. Und also eines Nebenlagers von Mauthausen. Und für mich war es ein Trauma zu erfahren, als ich mit meinem Vater zum ersten Mal dahin gegangen bin, was dort geschehen ist. Und ich dachte, was dort geschehen ist, hat dieses für mich schöne Land, ich dachte immer, ich lebe im Paradies, herrliche, schöne Berge, Wälder, Wiesen, Seen, Flüsse. Als ich dann erfahren habe, was dort wenige Kilometer von meinem Heimatort geschehen ist, dachte ich, dieses Land ist durch das, was Geschichte war, für immer zerstört. Ich will weg, ich will da nicht mehr sein. Ich dachte, es wäre ein Paradies, in Wahrheit ist es der Schauplatz der Hölle gewesen. Ja. Natürlich hat sich das wieder geändert, aber das waren spezifische Erfahrungen, die mit diesen geografischen Koordinaten, eben mit österreichischen Koordinaten zu tun hatten. Und insofern ist es natürlich, bin ich und bleibe ich ein traumatisierter Österreicher. Je n'ai jamais conçu les œuvres d'art ou la littérature en fonction d'une provenance d'une nation, d'une provenance géographique. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les lieux de vie des personnes. Et il est vrai qu'on peut considérer l'Autriche comme les coulisses dans lesquelles se sont déroulées les 20 premières années de ma vie. Alors évidemment, il y a aussi eu des faits qui m'ont marquée, en particulier des faits dramatiques. Quand j'allais sur le chemin de l'école, je longeais toujours un lac Et j'ai appris par la suite, et de l'autre côté de ce lac, en fait, par le passé, s'était trouvé un camp de concentration qui faisait partie du système de Mauthausen. Je me rappellerai toujours à quel point j'ai été traumatisée, enfant, quand je me suis rendue sur l'autre rive du lac avec mon père et qu'il m'a expliqué ce qui s'était passé sur ces lieux. Donc pour moi, ça a été absolument dramatique parce que je pensais vivre au paradis dans un pays de montagne où il y avait des montagnes, des fleuves, des rivières, des forêts. Et en fait, je me suis rendu compte que mon pays était aussi l'enfer sur terre. Et pour moi, cet événement, cette prise de conscience a réellement détruit, j'ai pensé que ces événements avaient détruit mon pays pour toujours. Et que je voulais, c'est un pays où je ne voulais pas vivre, où je ne voulais pas être, parce que ce n'était pas le paradis sur terre que j'avais rêvé. Alors évidemment, après, on change un peu d'attitude, mais il est vrai que, d'un point de vue purement géographique, au départ, l'Autriche, c'est vraiment lié à ce traumatisme de l'enfance. Eine Frage an Herrn Ransmayr. Ich habe den Anfang Ihres Buches gelesen und en français, bon, parce que le début de votre livre m'a fait penser à un film. On voit ce bateau, ce trois-mâts qui apparaît dans les brouillards et le lecteur découvre successivement ce Cox. Et je voulais juste savoir si vous avez des influences cinématographiques dans votre œuvre. Merci. Ja, ich bin nicht der Herr und Organisator der Einflüsse. Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin ein leidenschaftlicher Kinogänger. Es gab Zeiten, da ging ich 5-mal in der Woche ins Kino und öfter. Besuchte die großen Filmfestspiele und habe das Kino immer als eine wunderbare Form des Erzählens empfunden, habe aber immer verhindert, dass meine eigenen Bücher verfilmt wurden. Das wollte ich nicht. Alors, ce n'est pas moi qui décide des influences qui vont me marquer, mais oui, je dois dire que j'ai toujours été absolument passionnée par le cinéma. Il y a une époque où j'allais au cinéma 5 fois par semaine, où je rendais à tous les grands festivals de cinéma. Et j'ai toujours trouvé que c'était une forme d'art extraordinaire pour raconter des histoires. Par contre, j'ai toujours refusé que mes livres deviennent des films. Voilà, il me reste encore 2 choses à faire. Citer Christoph Ransmayr, je vais essayer de traduire ça directement devant vous pour clore cette rencontre, pour résumer peut-être les 2 narrateurs et le style que j'avais le plaisir d'avoir à ma gauche et ma droite, parce que Christoph Ransmayr a dit que la littérature finalement consiste à laisser créer des images en nous qui nous permettent d'entrer dans le monde d'un autre ou qui l'amènent en racontant dans notre monde et qui nous font surpasser non seulement le silence, mais dans les meilleurs des cas, aussi le silence et l'abandonnement. Et je vous urge de lire non seulement Cox, mais aussi l'Atlas et les autres des livres de Christoph Ransmayr, tout comme non seulement, je dirais presque déjà les grands classiques d'Olivier Rolin, mais aussi un livre que j'ai apprécié particulièrement qui s'appelle Vera Cruz et qui parle justement aussi de ces thématiques qu'une situation peut être vue de plein de manières différentes à la fois. So, je vous demande d'applaudir Christoph Ransmayr et Olivier Rolin.